Ravie de vous retrouver dans cette pause café où je réponds à la question de Loïc, kinesthésique, qui demande pourquoi j'angoisse quand ma conjointe s'absente. Je suis Pascaline Jouy, coach, conférencière et auteure du livre « Je ne peux pas m'empêcher de bouger » et « Si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un gars épanoui ». Et pour profiter de tous mes conseils, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Loïc nous demande pourquoi il angoisse quand sa copine s'en va. Quand elle part en déplacement, il ne pense plus qu'à elle. On s'envoie des textos souvent, mais si elle met plus d'une heure à me répondre, j'angoisse à fond et je me dis qu'elle ne pense plus à moi et qu'elle a des choses plus importantes à faire que moi. Évidemment, au niveau des émotions, waouh, ça brasse beaucoup. C'est vraiment là qu'on va agir pour vous, Loïc, parce que les émotions prennent le devant et les peurs arrivent, qu'il y ait des bonnes raisons ou pas des bonnes raisons. Les peurs, de toute façon, c'est pas rationnel, je le dis tout le temps. Donc, on ne cherche pas le côté rationnel de ça. Simplement, on va apprendre à gérer ces émotions-là qui débordent. Donc, gérer les émotions, ça va être un premier pôle d'action. Le deuxième pôle d'action, ce sera, si je vous rencontrais en consultation, je vous demanderai ce que vous faites en tant que pratique sportive. Quelles sont vos activités? Quel moment d'activité, de défoulement vous vous donnez? Pas seulement à la semaine, au quotidien. Est-ce qu'il y a au moins chaque jour quelque chose où vous mettez votre corps en action? Parce que pour les kinesthésiques, c'est vraiment indispensable. C'est pas indispensable, c'est vital. On a un corps qui a besoin de mouvement, qui a besoin de s'exprimer. On a plein d'énergie. Cette énergie, il faut l'utiliser. Parce que si on ne l'utilise pas, ça commence à tourner dans tous les sens. Et pour peu qu'il y ait un petit truc émotionnel qui nous titille, cette énergie qui tourne à l'intérieur, elle va juste participer à l'amplificateur émotionnel. Donc, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour votre entourage non plus. Donc, veillez à avoir une activité pour votre corps qui permet au corps de souffler un peu, quelle que soit l'activité que vous faites. Si vous êtes étudiant, si vous avez un emploi qui est assez statique, donnez-vous un moment pour bouger. Pour bouger un peu de façon intense, quoi. Un truc qui mobilise les muscles et le souffle, c'est l'idéal. Si on ne fait pas cette activité sportive, à la fin on ronge son frein. Et en plus, le fait de bouger, d'avoir des mouvements, ça va clarifier la pensée. Ça veut dire que d'avoir une activité quotidienne, ça va faire du bien au physique, au mental, pour la clarification des pensées, et avoir des idées, être créatif. Et sur le plan émotionnel, parce que ça apaise. Et ça empêche de partir en vrille avec des émotions qui finalement, bah, rationnellement, elles n'en valent pas le coup. Mais on ne sait pas comment faire, on ne contrôle pas. Hein, quand ça amplifie, quand le volcan se met en route, il se met en route et on n'y peut rien. Mais on va prendre des précautions, on va prendre les devants, on va faire de la prévention grâce à cette activité physique. Super important, quel que soit l'âge. Je parlais de trouver un système pour gérer ses émotions. Soit vous avez déjà mon livre et il y a déjà pas mal d'informations là-dedans, des astuces à mettre en place pour vous aider à apaiser le volcan émotionnel. C'est une première étape pour vous. Si vraiment vous sentez que ce n'est pas assez ou que vous n'arrivez pas à mettre en place ce qui est proposé, eh bien peut-être avez-vous besoin d'un petit accompagnement pour apprendre à gérer ça. Quand on angoisse que notre conjoint s'en va, il faut vraiment s'en occuper. Il ne faut pas traîner avec ça parce que, pour employer les mots des kinesthésiques, ça risque de pourrir votre couple. Donc non, c'est pas ça que vous voulez préserver votre couple. Donc agissez sur vos émotions pour pas que ça vienne empiéter sur la relation. Parce que ce truc-là, c'est pas dans votre relation avec votre partenaire, c'est vous avec vous. Donc vous, occupez-vous de vous. Vous pouvez me contacter, bien sûr. Moi, je suis basée à Nantes avec mon cabinet. Je fais des séances en ligne avec des personnes qui sont partout dans le monde. J'adore le côté technique qu'il y a maintenant. On peut faire ce qu'on veut, profitez-en, contactez-moi s'il y a vraiment besoin. Parce que cette histoire de couple et d'angoisse, si on ne fait rien, ça ne va pas changer. C'est ça à retenir aussi. Et même ce que j'ai vu dans ma pratique, avec les personnes que je rencontre ici, quand même pas mal de personnes qui viennent me voir à cause de problèmes de couple, parce qu'on se fait un tas d'idées. Et comme on amplifie tout seul dans sa tête, qu'il y ait des raisons rationnelles ou pas, on devient de plus en plus malheureux et on est malheureux pour soi et on devient de plus en plus difficile à vivre pour le conjoint, au risque de le perdre. Donc là, ce serait quand même un peu dommage. Donc vraiment,
L'angoisse, c'est un trait commun des kinesthésiques. C'est dans le tempérament des kinesthésiques d'angoisser. Voilà, avec la liste de peurs qu'on a en général, avec les envies qu'on a, des souhaits qu'on a par rapport à la vie qu'on a envie de mener, tout ça, ça fait des choses qui sont un peu électriques et donc il faut apaiser au niveau émotionnel. C'est super important. Donc, on peut faire des tapotements par rapport à l'angoisse, mais l'angoisse, c'est quand même un peu plus. Il y a des sous-rubriques dans l'angoisse, donc ce serait bien de creuser un petit peu et de se faire accompagner pour ça. Vous qui m'écoutez, si vous avez une question à laquelle vous voulez que je réponde, écrivez-la tout de suite dans les commentaires sous la vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine.